Merci, Monsieur le Président. D'abord sur la motion de rejet, il y a eu un débat en commission environnement auquel votre groupe a participé, d'ailleurs avec Audrey Pulvar. Donc on a beaucoup discuté du contenu de cette convention et d'ailleurs le détail de tout ce que vous demandez est dans la convention qui vous a été proposée. Le détail d'ailleurs dont a pris connaissance d'autres groupes, puisque l'amendement le grief que porte le groupe ECO porte justement sur le contenu de cette convention. Donc je ne comprends pas l'absence de débat que vous soulevez dans la motion de renvoi, puisque nous en avons discuté à la commission environnement et que justement c'est ce qu'on est en train de développer ici. Donc je vous propose de retirer votre amendement, puisque encore une fois je n'en vois pas le sens. Quant au propos de Madame la maire, sur le contenu, merci d'avoir lu la convention, parce que en commission environnement il m'avait semblé que certains ne l'avaient pas lu et y voyaient dans cette convention des choses qui n'y figurent pas. Il n'y a par exemple aucune disposition de soutien à tout acte de chasse, donc je ne dis pas que vous l'avez dit, mais ça a été dit en commission environnement. Je ne dis pas que vous l'avez dit, mais ça a été dit en commission environnement, donc j'ai dû le corriger. C'est une convention qui porte uniquement sur des actions qui correspondent à la mise en œuvre de notre stratégie biodiversité, qui comprend effectivement, et pas que biodiversité, c'est aussi dans le secteur agricole, la plantation massive de haies. Nous avons des objectifs de 100 km linéaires, non, plus que ça encore, enfin on a des objectifs très importants de linéaires de haies à planter. Et la réalité, je l'ai dit en commission environnement, je le répète ici, c'est que beaucoup d'acteurs sont possiblement éligibles à cette aide qui est d'ailleurs construite avec l'État, puisque l'État aussi veut financer la plantation de haies, qui est, je rappelle, une action très favorable à la biodiversité, et que nous cherchons tous azimuts des acteurs en capacité de faire, et que bien sûr les ONG environnementales et de protection de la nature peuvent le faire, et certes, et nous avons des dispositifs qui les financent dans les faits, hein, l'appel à projet biodiversité souvent finance des associations, mais pour cet appel à projet haies, nous ne pouvons que constater que c'est la fédération de chasse qui en plante le plus et qui est le plus en capacité de le faire. Voilà, donc c'est pas une question de qui porte, c'est qui peut faire. Et là, en l'occurrence, la fédération de chasse, on n'a pas d'autres acteurs qui sont en capacité d'en planter autant. Et dans le regard qu'on a sur ce qui s'est fait, eh bien, très objectivement, c'est eux qui en plantent le plus. Quant aux drones, là aussi, la fédération de chasse propose ce dispositif. Nous l'avons également financé pour la LPO, nous l'avons financé pour une autre association qui s'appelle Piverte Bio. Donc plusieurs acteurs font cette action qui nous semble favorable à la biodiversité, puisqu'il s'agit de repérer des animaux qui nichent dans les champs avant qu'il y ait moisson, pour éviter qu'évidemment ces animaux soient tués lors des moissons. Que la fédération de chasse fasse cette opération et le propose dans cette convention, ça correspond à notre stratégie, comme nous finançons cette action auprès d'autres associations. Donc le ciblage simplement sur le fait que c'est la fédération de chasse ne nous semble pas pertinent, d'autant plus que légalement aujourd'hui, les fédérations de chasse ont l'agrément en tant qu'association qui participe de la protection de la biodiversité. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Voilà. Après, on peut avoir d'autres débats sur un autre registre, bien sûr, mais sur le contenu même de cette convention, je crois que vos griefs ne sont pas fondé, donc je vous invite à retirer votre amendement, sinon nous appelons à son rejet.